Pourquoi avoir tué mon enfant? Je répète la question. Pourquoi avoir tué mon enfant? Parce que tu as tué ma mère. Ah. C'était par vengeance. Je vois. C'est plus que ça. Bon. C'est pour la liberté. La liberté. Tu sembles avoir toute la liberté qu'il te faut. Celle d'assassiner mon héritier. Non, c'est pas de ma liberté que je parle, c'est de celle de l'humanité. L'humanité. Et que ferait l'humanité de cette liberté, à ton avis? Les humains étaient libres avant. Et à quoi passaient-ils leur temps? À se battre, à tuer, à affamer. J'ai apporté la richesse. J'ai apporté l'ordre. Qu'est-ce que tu as apporté? Outre la violence, la guerre, la mort. Allez, Dante. Vas-y, tape là où ça fait bien mal. En fait, Mundus, t'as raison. C'était pas pour l'humanité, c'était pour me venger. Et tu veux que je te dise? Tuer ton enfant comme ça, le voir exploser en milliers de petits morceaux gluants, t'entendre crier comme une de tes putes démoniaques, ça a pas de prix. Laisse mon frère tranquille. Ça va, Dante? T'as pris ton temps. Ça fait plaisir. Thank you.
On peut le tuer maintenant ? Vous allez mourir. Jamais ! Une idée ? Tu vois son œil, là ? Ouais. Son fils avait un truc du genre. Commençons par là. Il faut arriver à l'ouvrir. Je suis Mondos. Mais un connard ! Occupe-le pendant que j'essaye d'ouvrir cette œil. N'attaque pas ! Reste en vie tant que son œil est à couvert. Bien joué. Des fissures apparaissent. Dante, tu vois ça? Ouais, je vois. Il est toujours là-dedans. Il faut trouver un moyen de passer et de le tuer. Allez, on y va. Pourquoi son corps était là? Donc Mundus a fusionné avec son incarnation physique. C'est pour ça qu'il le protège. Donc si on tue son corps, on tue Mundus. Thank you.
Thank you.
réussi. J'ai réussi.